Bonjour. Aujourd'hui, je vais réaliser des croquis rapides avec les pastels Carandache Néocolor 2. À la manière d'un carnet de croquis, je vais dessiner le mouvement au travers de personnes à la plage. Cet exercice me permet de m'entraîner pour dessiner sur le vif. Il faut capter rapidement les mouvements car les personnes ne posent pas. Je vais utiliser les Néocolor 2. Ce sont des pastels à la cire aquarellable que je peux utiliser à la fois sec ou humide. Leurs pigments ont une très bonne résistance à la lumière. Leur texture est onctueuse et très couvrante. Grâce au Néocolor 2, je peux jouer avec la pression de mon trait, superposer les couleurs et enfin les mélanger avec un pinceau à eau. Je peux récupérer la couleur avec la pointe de mon pinceau et peindre directement comme si c'était de l'aquarelle. Pour un croquis sur le vif, je place rapidement mes éléments. Je capte la position et la silhouette de la personne. Puis, j'affine les volumes en ajoutant des ombres et des petits détails. Et pour finir mon croquis, j'ajoute un fond pour que mon personnage soit mis en valeur. Avec un dessin à la ligne, je saisis rapidement les formes de mon nouveau personnage. J'utilise une seconde couleur pour les zones d'ombre et les détails. Cela donne un côté graphique à mon dessin. En variant les couleurs, mon dessin est plus vivant et très contrasté. J'alterne entre le dessin au trait et les aplats de couleurs. Je peux aussi dessiner par le vide, c'est-à-dire que je laisse des zones sans tracé pour suggérer les formes. Je dessine un nouveau personnage en utilisant la propriété aquarellable du pastel. Je capte rapidement les formes, puis je crée les aplats avec le pinceau à eau. Ces croquis rapides sont un très bon exercice pour préparer mes futurs dessins sur le vif. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt pour un nouveau tuto.